scoop. Écoutez la vie. Écoutez tout ce qui se joue. Sans être distrait par nos pensées. Il semblerait que nous sommes constamment dérangés par nos pensées qui sont en demande. Nous subissons la demande des pensées. C'est-à-dire, la pensée, ce sont les schémas qui se sont installés en toi, les réactions que tu laisses ton esprit être emporté. Tu es emporté par les réactions qui surgissent. Tu n'es pas capable de rester serein, de rester dans un silence total, parce que la pensée, elle s'active. On est tout le temps dans cet état d'activité, c'est-à-dire la pensée elle-même et l'activité qui fait que la tranquillité ne peut pas avoir lieu. Alors, un silence, une attention devant la beauté de la vie est nécessaire. Apprendre à voir la vie sans que l'esprit soit embarqué avec une idée ou une autre, avec les obligations. Et l'occupation empêche le silence. C'est pour ça que, pour se connaître, il faut beaucoup, énormément d'attention sur ce qui se passe dans tous les instants de ta vie. Tout ce que tu fais, ce sont des réactions qui viennent comme ça. Il est nécessaire de les voir, de voir ces réactions, de les comprendre, de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas fait dans son temps. Il est fait prématurément, il est propulsé dans une action que tu vas faire et qui n'est pas vraiment la tienne. C'est celle que la pensée propose. La pensée, elle passe son temps à faire ça. Dans ta tête, toute ta vie, tu as cumulé des réponses toutes faites, des schémas dans lesquels tu dois te mouvoir pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir être conforme à une norme prescrite qui te demande d'être ce que tu dois être. Et ce que tu dois être, ce sont ce que la norme propose. La norme, ce sont toutes nos pensées dans lesquelles on a conclu l'existence, on a conclu une société, on a conclu des règles. Et tout ça se passe en soi. C'est une conscience fabriquée de schémas de pensée qui réagit et interagit les uns avec les autres. Toute cette activité rend la vie pénible parce que, au bout d'un moment, il y a
la souffrance de ne pas être libre, de ne pas être en paix. L'esprit est constamment en train de s'activer pour pouvoir trouver quelque chose qui va subjuguer, qui va sortir de l'ordinaire, qui va donner du répit à l'esprit qui est constamment occupé par les pensées. Nous avons, chacun d'entre nous, la capacité d'avoir ce regard, le regard vers ce que soi est. Mais il semble que ce soit des choses qui se sont propagées après des millénaires et qu'on a pris l'habitude. On a pris l'habitude de nos réactions et elles deviennent banales. Elles ne deviennent pas quelque chose qui nous étonne. Pourtant, si tu les regardes, tu seras étonné parce que elles sont ce que tu penses être. Mais ce que tu penses être est totalement faux. Tu joues un rôle à travers les pensées que tu as. Tu ne joues pas la vie, tu joues un rôle, le rôle que tu te proposes à toi-même, des promesses que tu te proposes à toi-même pour pouvoir exister dans un monde où tout est déjà mis en place. On te fait rentrer dans ce monde, on te moule, on te met des directions. Où aller? Comment te comporter? Il faut devenir quelqu'un, devenir ce que la norme prescrite a prévu pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on puisse exister à travers un monde dans lequel on fait exister des choses que nous voulons pour pouvoir nous faire plaisir. Donc ce monde est là et on l'a construit avec la pensée pour se soulager de la réalité. Donc on a créé une illusion, on a créé des choses qui nous réconfortent. Les choses qu'on a créées éveillent en soi, à chacun d'entre nous, le désir de poursuivre le plaisir qu'il y a dans ces choses qu'on a inventées. Le monde qu'on a inventé n'est ni plus ni moins qu'un centre d'attraction. Que l'esprit ne soit pas silencieux dans son essence. Donc l'esprit est constamment occupé et il traverse l'existence dans l'occupation sans jamais comprendre qui il est. Que ce qui se passe n'est pas toi puisque tu t'es seulement identifié à tout ce qui se passe. Mais ce que tu es, si ce que tu es n'est pas ce qui se passe, qui tu es? Est-ce que tu es celui qui est libre de tout ce qui encombre l'esprit, les envies, les peurs, les angoisses, les frustrations, les désirs à atteindre? Quand il n'y a pas ça, il n'y a plus d'activité. Et c'est à ce moment-là que ce que tu es existe. C'est-à-dire que tu n'es rien d'autre que ce que la vie propose. Vu que ton esprit est libre de toute tracasserie pour pouvoir te faire une place dans la société, alors il y a une grande joie. Parce que il n'y a plus cette envie de devenir ce que nous ne sommes pas. Parce que ce que tu es en ce moment, c'est le résultat de ce que la société demande que tu sois.
Donc tu es prisonnier de ça. Et tu te dis que je suis obligé de faire ça. Mais est-ce vraiment vrai? La vie va te montrer que ce n'est pas vrai. La vie va te montrer que ce sont tes peurs qui te font continuer à faire ainsi. Et la vie va te montrer que cette illusion que tu as, elle a une force extraordinaire sur toi. Que tu continues malgré tout, malgré que tu souffres, malgré que tu sais que c'est pas vrai, tu le fais quand même. Parce que derrière tout ça, l'illusion te donne l'espoir que tu ne souffriras pas. Tu auras ta petite sécurité, ta petite maison, tes affaires bien rangées. Et avec tout ça, tu as un sentiment de sécurité qui te protège de ce qui est grand, béant et vide. Et pourtant, tout ce que tu vas faire pour ramasser, pour te combler, va faire que, en fait, tu ne seras jamais, jamais comblé. Parce que ce vide, il revient toujours, il se remet toujours d'actualité. Il ressort toujours de où tu l'as laissé, où tu l'as enfoui. C'est la nature de toi-même, ce vide. Et si on le fuit, alors la vie que tu vis sera un enfer. Parce que tout va à l'encontre de ce que la vie propose. Donc tu deviens l'ennemi de toi-même, l'ennemi de la vie, l'ennemi de ce que l'amour propose. L'amour propose une situation inconditionnelle où tu ne demandes rien, où tu ne veux rien, tu n'attends rien. Alors que ce que toi tu veux, c'est que tu veux de l'amour, mais à condition que, tu vas donner à condition que, tu vas faire à condition que. Et c'est ainsi que nous préférons vivre. Parce que aimer, ça veut dire mourir à tout ce que tu penses être, mourir. Et alors, tu es vraiment libre. Et cette liberté, c'est l'amour, c'est l'intelligence, c'est l'ordre, c'est vivre ensemble, nous les humains, de s'accueillir, de s'entraider, de s'accepter. Mais comment tu peux accepter l'autre si tu n'as pas accepté toi-même ce que tu es, tout ce qui se meut en toi, le grand, le pour, le contre, tes idées sombres et tes idées de plaisir. Tout ça se passe en soi. Il n'y a rien qui se passe à l'extérieur. Donc tu vas aller voir à l'intérieur de toi. Comment faire pour mettre de l'ordre? Parce que quand il y aura l'ordre, alors peut-être tu pourras prétendre à un ordre aussi à l'extérieur de ta vie.